cette cathédrale appartient à l'État depuis la loi de séparation de 1905 entre l'Église et l'État. La cathédrale s'est édifiée en 457 années. L'édifice est classé monument historique depuis 1862. En 2020, un incendie s'est déclaré le 18 juillet. Aux environs de 7h45, les pompiers sont arrivés, ils étaient 104 à venir éteindre le feu. Le rôle de la DRAC, est, dans le cadre de l'incendie, a été d'abord de sécuriser la cathédrale, puisqu'il y avait quand même beaucoup de dégâts sur le massif occidental, notamment la grande verrière occidentale. On a dû l'étayer pour éviter que la sécurité du public soit mise en question au niveau du parvis de la cathédrale. Les éléments qui ont été irréversiblement détruits, c'est l'orgue de tribune, pour lequel on a conservé quelques vestiges. Il nous reste à peine 5% d'éléments. Pour le vitrail qui a explosé, nous avons récupéré dès le lendemain les petits morceaux de verre sur le parvis de la cathédrale. Lorsqu'on entre sur le lieu d'un sinistre, il y a toujours nécessité de s'imbiber et de comprendre ce qui a pu se passer. Dans le cas d'un incendie, quand on va regarder les pierres, la couleur des pierres après un incendie donne un indice sur la température qu'elles ont atteinte. Donc on regarde les couleurs, on essaye d'examiner les pierres qui ont été soumises au feu. Lorsqu'une pierre est soumise à une température inférieure à 300 degrés à peu près, on a un rougissement, on appelle ça de la rubéfaction. Si les températures augmentent au-dessus de 300 degrés, on n'a plus de rougissement, mais la pierre devient en général noire. Et dès les basses températures, on voit s'opérer des changements dans les propriétés mécaniques de la pierre. Donc il y a déjà dégradation aux basses températures. Et puis on regarde la fracturation, parce que c'est surtout ça qui est délétère et qui peut remettre en question, en fait, la stabilité d'un édifice. Les fragments qui ont été prélevés pour pouvoir en déterminer la nature ont été apportés au laboratoire et puis ont été examinés. En général, pour savoir si on a affaire à un mortier ou à une pierre, il suffit de faire un examen à la loupe binoculaire ou au microscope 3D. La cathédrale est fermée au public depuis le 19 juillet 2020. La plupart des vestiges sont très calcinés et ils sont recouverts de plomb. Tout comme la cathédrale qui est aussi recouverte de plomb au niveau du sol, au niveau des voûtes, au niveau des élévations, sur les sculptures, les confessionnaux, la chaire à prêcher. La présence du plomb dans la cathédrale impose des contraintes de travail très strictes. Les salariés rentrent dans la cathédrale par l'unité mobile de décontamination, donc du plomb, avec donc une zone propre et une zone sale. Ils rentrent dans la cathédrale avec leur équipement de protection individuelle. Ils doivent ensuite travailler 6 heures par jour. Donc ça impose des délais de réalisation de travaux beaucoup plus longs. Et c'est ça qui est une grande contrainte dans les travaux actuellement dans la cathédrale de Nantes. La dépollution va prendre 4 mois. Parallèlement, nous avons commandé des études diagnostiques à l'architecte en chef qui va réaliser donc ces diagnostics architecturaux pour voir l'état des pierres, l'état des vitraux, l'état des maçonneries, l'état des voûtes. Les travaux de restauration pourront débuter en 2022. Notre rôle, c'est de pouvoir transmettre ce patrimoine aux générations futures dans le meilleur état possible. Et pour qu'il soit transmis dans le meilleur état possible, il faut effectuer des recherches
Il faut multiplier les expertises pour atteindre un niveau de connaissance sur le patrimoine qui permet de s'aider les uns les autres et de transmettre ce patrimoine.